Voilà des mois qu'elle priait en silence, pour que la justice soit clémente. En avril 2021, Kenneth Lova, le fils de Firmin Richard, avait été placé en détention provisoire pour avoir agressé un autre homme. La victime, Mamadi T, 39 ans, avait reçu une dizaine de coups de couteau en Seine-Saint-Denis, près de la station de métro Pantin-Bobigny-Raymond Queneau. Cette agression avait été diffusée en direct sur les réseaux, et il était mort des suites de ses blessures. Le vendredi 10 février 2023, le grand garçon de la comédienne a été condamné par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis à 19 ans de réclusion selon les informations de Jean-Marc Morandini. Il a été placé en détention pour meurtre à l'arme blanche. Firmin Richard a assisté au procès de son fils Kenneth. Elle a même pris la parole lors du deuxième jour, le lundi 6 février 2023, pour raconter ce qu'elle avait vu le soir de ce meurtre à l'arme blanche. Expliquer qu'il était rentré chez elle le visage ensanglanté, assurant qu'il avait été agressé. L'actrice avait retrouvé un couteau sur son lit, qui a ensuite été reconnu comme l'arme du crime. Je l'ai lavé, je l'ai mis dans mon jardin, s'est-elle souvenue. Je ne pouvais plus le voir. Je ne l'ai pas jeté. Pas un instant je n'ai pensé que ce monsieur était mort, je peux vous le répéter 25 fois, si vous voulez. Je sais que mon fils est en train de mourir. Je sais qu'il n'est pas un tueur. Je dois survivre pour lui. Elle se déplace très régulièrement pour lui rendre visite. Cette délibération, qui a duré 1 h 30, lui promet encore de longues années d'aller-retour. La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a toutefois écarté la préméditation. Kenneth Lova est né le 10 octobre 1982. Sa maman, Firmin Richard, avait déjà évoqué son désarroi vis-à-vis de cette situation épineuse, ainsi que les circonstances qui auraient pu atténuer la culpabilité de son fils, notamment en janvier dernier, lors de son passage sur le plateau de l'émission Chez Jordan. Mon fils est en prison et pour moi, c'est très dur à vivre, ajoutait-elle. Et je dois survivre pour lui. Je vais le voir régulièrement. Je serai maman jusqu'à ma mort et au-delà de ma mort. Une maman reste une maman.